Avec le docteur Jean-Paul. Bonsoir docteur Jean-Paul. Bonsoir Jordan, bonsoir à tous. Alors je vous le rappelle, si vous ne connaissez pas l'émission, eh bien tout peut arriver. C'est une émission qui permet de vous aider. Hein. Je voyais tout à l'heure dans le SAS, l'équipe qui va partir, qui va venir en deuxième partie, la Farida et Philippe, qui auraient bien besoin, je pense, d'aide parce qu'ils ont une vie compliquée l'un et l'autre. Eh bien c'est pareil. Si vous aussi vous avez des soucis, que vous ne savez pas trop comment vous dépêtrer, eh bien c'est ici que l'on peut vous aider avec le docteur Jean-Paul. Ce soir, deux histoires. La première. Eh bien, ce sera celle de Shirley. Shirley qui a 23 ans est célibataire, elle est agent de production dans l'industrie. Elle vit dans la précarité mais elle avait honte d'en parler à ses parents depuis l'émission puisqu'elle est passée dans l'émission. Eh bien, elle a franchi un grand pas, elle nous en parlera dans un instant. Puis après, vous découvrirez une autre histoire, celle de Stéphanie. Alors découvrir ou redécouvrir puisque cette semaine on a décidé de faire passer des personnes qui sont venues déjà une fois dans Tout peut arriver avec le docteur Étienne ou le docteur Jean-Paul. Et qui ont fait l'expérience. Stéphanie, elle a 32 ans, elle est paxée, deux enfants, 6 ans et 4 ans. Et elle est intervenue dans l'émission du 3 janvier 2018. Elle avait coupé les ponts avec une amie proche et elle avait du mal à faire le deuil de cette amitié. L'émission l'a-t-elle aidée? Vous le saurez dans un instant en l'écoutant et en découvrant son histoire. Parce qu'il y a vraiment toute une reconstruction à faire. Alors, docteur Jean-Paul, qu'est-ce que nous faisons ici tous les soirs sur l'antenne pour les gens qui viennent d'arriver sur Voltage? Alors tous les soirs nous faisons de la prévention, c'est-à-dire que tout arrive dans notre vie, il y a constamment des imprévus, constamment des choses qui nous contrarient ou qui nous sont difficiles à vivre, et bien entendu ces choses-là peuvent parfois être traumatisantes, parfois être bloquantes, parfois nous inhiber et nous conduire ensuite dans une succession douloureuse de complications qui à la longue sont très défavorables, qui peuvent même parfois entraîner des dépressions, des grandes souffrances. Donc on essaie dans l'émission de vous donner un aiguillage qui permette que ces choses difficiles ne tournent pas à la dépression, aux problèmes préoccupants, à la souffrance, mais puissent se régler comme d'autres que vous avez réglés tout seul. Et on utilise pour ce faire des techniques d'une méthode de psychothérapie qu'avec le docteur Étienne nous pratiquons et que nous promouvons, qui s'appelle la dynamique émotionnelle et qui en un mot est basée sur le supplément d'efficacité que l'émotion ajoute à notre expression par la parole. Voilà ce que nous faisons. Donc c'est pas une psychothérapie, on n'a pas le temps ni le cadre. C'est un coup de main, un aiguillage pour éviter que ça tourne mal. C'est un coup de main pour éviter que ça tourne mal. Bien, c'est plutôt assez sympa, ça, comme résumé. J'aime bien parce que vous faites des longues phrases, très précises, et puis à la fin, vous résumez tout avec une phrase. Comme ça, ça reste plus facilement dans la mémoire. Voilà, comme ça, il y a pour les deux types de personnes. Celles qui, sont très pointues, donc, dont je ne fais pas partie, et puis les autres, dont je fais partie. Il y en a pour tous les goûts. Voilà, il ne faut pas trop leur en donner, il faut être assez simple et aller vite droit au but, sinon ils ne comprennent rien. Voilà, j'en fais partie, évidemment. On se retrouve dans un instant pour parler de cette première histoire. Et celle de Shirley, et puis après, on découvrira aussi l'autre histoire, celle de Stéphanie. Allez, voici Tom Walker maintenant pour commencer la soirée. Leave a light on. Bah oui, on se fait un petit peu de musique quand même avant de commencer à tenter de vous aider. C'est parti, on écoute.
Docteur Jean-Paul et Jordan Deluxe. Voltage. Allez, bienvenue sur Voltage à tous et à toutes qui viennent d'arriver, où que vous soyez, hein, en voiture, dans les bouchons, ou alors même dehors avec vos écouteurs en train de nous écouter sur l'application Voltage. On est ravis de vous accueillir pour cette première partie de soirée où on va tenter de vous aider et où on a tenté d'aider Shirley. Bonsoir Shirley. Bonsoir. Bonsoir Shirley. Bonsoir. Shirley, tu as 23 ans, t'es célibataire, t'es agent de production dans l'industrie et tu nous avais contacté parce que tu vis dans la précarité et t'avais honte d'en parler à tes parents. Depuis l'émission, t'as franchi un grand pas. Quel est ce pas, Shirley? Eh ben, j'ai réussi à en parler à mes parents. Ah, c'est extraordinaire. Alors, comment ça s'est passé quand on a parlé à tes parents? Eh bien, c'est là, tout récemment, il y a deux semaines en fait, j'étais chez mes parents et puis j'étais vraiment pour le coup vraiment dans la très précarité parce qu'il me restait 30 euros pour faire le mois et du coup j'ai osé le dire à mon père en fait. Comment il a réagi? Eh bien, il a pas vraiment eu de réaction en fait. Il t'a pas jugé? Non. Non, du tout. Ah, ça c'est positif, c'est un point positif, bravo. Ouais. Et du coup, alors, est-ce qu'il va t'aider ou il y a des choses qui vont être mises en place? Je pense pas parce que je veux pas demander de l'aide à mes parents. D'accord, ça va venir tout seul peut-être. Ça, bon, après, ça dépend vraiment de comment ils sont. Bah, je sais que mes parents sont pas non plus fortunés, on va dire. Donc, du coup, c'est pour ça que je veux pas leur demander de l'aide non plus. Donc voilà quoi. Mais en tout cas, t'as fait le geste et aujourd'hui, bon, c'est fait. Voilà. D'accord, bon moi ça déjà c'est très bien. Alors depuis l'émission donc tu as senti un changement. Ce qui est intéressant quand même, c'est que tu avais senti les larmes qui montaient et tu t'étais vite repris, je me rappelle la dernière fois. Et finalement tu t'es laissé aller et tu es rentré dans entre guillemets le jeu, dans cet exercice qui est franchement pas forcément facile. Alors il reste encore quelque chose à travailler, c'est le manque de confiance que tu as en toi. Oui. Alors tu peux nous en parler deux petites minutes de ce manque de confiance, Shirley? Oui, j'ai un manque de confiance dû à mon physique. D'accord. Ah, alors il est comment ce physique? Ce physique il a changé en l'espace de 6 ans, il y a eu une prise de poids de un peu plus de 40 kilos. 40 kilos. Du coup ça m'a fait perdre totalement confiance en moi. Alors, je te propose de passer un moment avec le docteur Jean-Paul pour tenter encore une fois de trouver un chemin. D'accord. Pour apprendre à mieux s'aimer. C'est parti, on y va. Bienvenue dans Tout peut arriver pour la deuxième fois, Shirley. Merci. Oui, Shirley. Bonsoir. Bonsoir, voilà, ravi de vous retrouver. Moi aussi. Eh bien, tant mieux, donc ça nous met dans une bonne condition pour travailler ensemble ces quelques moments. C'est dur, j'imagine, 40 kilos en plus. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Au début, je pensais que c'était dû au décès de ma tante. Oui. Et que je n'arrivais pas à assimiler. Oui. Et en allant voir en fait un hypnotiseur pour essayer justement de travailler sur moi-même, en fait, on s'est rendu compte que c'était peut-être une carapace que je m'étais formée due à mon passé, en fait. Qu'est-ce qu'il y a eu dans le passé? Disons que quand mes parents ont divorcé, ma mère s'est remariée, sauf que ce monsieur-là, en fait, lui frappait dessus. Ah. Ah. Et donc ils pensent que du coup je me suis formé une carapace pour moi justement dissuader les gens de vouloir me frapper. Et vous savez pourquoi il lui frappait dessus? Vous avez vu ces choses se passer devant vous? Vous avez compris ce qui se passait? J'ai vécu ça depuis l'âge de mes 4 ans et au début sans vraiment comprendre en fait ce qui se passait et puis après on continue de voir ça et puis on se pose plus de questions et jusqu'au jour où ça s'arrête quoi. Ça s'est arrêté quand vous êtes parti? Quand je suis parti et quand j'ai aidé justement ma mère à s'en défaire. Ah! Vous aviez quel âge quand vous avez fait ça? Quand vous l'avez aidé à s'en défaire? J'avais 16 ans, 16-17 ans. Et c'est ensuite que le poids a commencé à augmenter, hein? Oui. Vous êtes aperçu que vous mangiez beaucoup ou ça n'a pas de rapport? J'ai pas, pour moi, j'ai pas changé mes habitudes en fait. Sauf que inconsciemment en fait, quand je m'ennuyais, du coup je mangeais et puis je me vengeais en fait plus ou moins sur la nourriture, sans m'en rendre compte. Je me vengeais. Essayez de répéter cette phrase. Je me venge. Je me venge. Je me venge sur la nourriture ou je me venge comme vous voulez. Je me venge sur la nourriture. Je me venge. 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 Je me venge.
Je me venge. Je me venge. Je me venge. Je me venge. Je me venge. Je me venge. Je me venge. Je me venge. Je me venge. Soyez attentive aux sentiments en même temps que vous répétez ça. Allez-y, Shirley. Je me venge. 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 Qu'est-ce que vous ressentez ? Bah, de la colère. Très bien. Contre lui ? Comment ? Contre qui ? Bah, contre moi. C'est bien ce qui me semblait. Je m'en veux de... Je m'en veux de m'être laissé aller. De m'être vengé, de m'être... Mais au départ, quand vous dites « je me venge », au départ, vous vous vengez de quoi avant de vous venger contre vous ? Bah, je me suis jamais vraiment trop posé la question, parce que du coup, ça a été inconsciemment en fait que je l'ai fait. Bien sûr. Bien sûr, mais là j'essaye avec vous de trouver le chemin des sentiments, parce que dans la force des sentiments, il y a aussi la force de la guérison. Vous avez l'air triste et en colère. Surtout en colère. Eh bien dites ça, je suis en colère, allons-y, on va passer par là. Je suis en colère. Allez-y, Shirley. Je suis en colère. 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 Contre moi, toujours ? Toujours contre moi. Et je suis en colère contre moi, allez-y. Je suis en colère contre moi. 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 Je suis en colère contre moi de me laisser aller, de m'être laissé aller. Hein. C'est ça que vous m'avez dit. Oui, c'est ça. Ok, allez, je me pardonne pas. Ou je suis en colère contre moi. Je dis, je me pardonne pas. Essayez ça. Je me pardonne pas. 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 Vous vous êtes laissé aller juste après que vous ayez aidé votre maman, alors, quand le beau-père est parti ? Plus ou moins dans la continuité, en fait, du temps. Ça a été... ça a été plus ou moins l'élément déclencheur. Alors, vous avez mangé plus parce que vous étiez contente ? Parce qu'au tout début, comment ça s'est déroulé ? C'était plus de la peur, en fait, des représailles qu'il pouvait y avoir derrière. Ah, de sa part à lui. Oui. Vous avez quitté la maison, comment, où elle l'a fait partir, comment ça s'est passé ? J'habitais déjà plus moi avec ma mère à ce moment-là. Oui. Et du coup, lui, il a été obligé de quitter le domicile parce qu'il y a eu une interdiction de d'approcher ma mère. Donc il y a eu un jugement alors, ou une plainte en tout cas, il y a eu une plainte. Oui. Ok, plainte et jugement, d'accord. Plainte, jugement, divorce et puis tout ce qui s'ensuit derrière quoi. Ouais. J'ai eu très peur. Vous avez eu peur ? Très. Dites-nous ça, j'ai eu très peur. 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 J'ai eu très peur.
J'ai eu très peur. Shirley, il me vient une question. Oui. Vous n'avez pas d'enfant, hein? Non. Imaginez que vous ayez quelques années de plus et que vous ayez une fille qui, à qui soit arrivée la même chose qu'à vous et qui ait eu peur et qui se soit laissée aller à manger. Est-ce que vous la pardonneriez? Bien sûr. Oui, je le pardonnerais parce que du coup, ça aurait pas été de sa faute, mais ça aurait été de la mienne. Exact. Et si j'étais ma fille, je me pardonnerais. Dites ça, s'il vous plaît. Et si j'étais ma fille, je me pardonnerais. Bah oui, encore. Et si j'étais ma fille, je me pardonnerais. Encore. Et si j'étais ma fille, je me pardonnerais. Bah oui. Et si j'étais ma fille, je me pardonnerais. 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 J'ai besoin de me pardonner. J'ai besoin de me pardonner. Allez, Shirley. J'ai besoin de me pardonner. 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 Vous êtes d'accord avec ce que vous dites, Shirley? Oui. Ah, très bien, continuez alors. J'ai besoin de me pardonner. Il nous reste quelques instants, profitez-en jusqu'au bout. J'ai besoin de me pardonner. J'ai besoin de me pardonner. Voilà, c'est très très important ça, c'est une clé. Quand on a compris toutes ces choses-là, il y a encore ce travail intérieur à faire, se pardonner à soi. Ça, c'est vraiment important. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez vous répéter quand vous sentez ce complexe, quand vous sentez tout ça. Parce que après, quand vous vous vengez sur vous-même, ça aggrave le problème. Et au lieu d'approcher d'une solution progressive, ça vous éloigne d'une solution. Vous me suivez ? Oui, oui. Voilà, donc je vais rendre l'antenne à Jordan. Mais ça, c'est très très important. Donc si vous avez besoin d'un coup de main dans quelques temps pour reparler de ce pardon à vous-même, mais pour repasser à nouveau dans une vie normale avec la satisfaction de vous retrouver, c'est important que vous fassiez ce travail intérieur de vous pardonner à vous comme vous pardonneriez à votre fille si vous étiez votre fille. J'aime bien passer par là parce que quand c'est pour les autres, on s'en rend plus compte que quand c'est pour nous. C'est vrai. Voilà, Shirley. Bah, donc, merci beaucoup à vous. En tout cas. Eh ben, avec plaisir. Voilà. Et vous n'êtes pas une mauvaise fille. Vous n'avez pas de raison de vous faire mal comme ça. Voilà. Merci beaucoup. Allez. Bon. Au revoir. Comment tu te sens, Shirley? Ça va. Ça va. Bon, bah écoute, ouais. C'est une bonne nouvelle alors. Bon, écoute, en tout cas, je te souhaite bonne chance dans ton chemin vers toi. C'est Dr Etienne qui avait dit ça une fois. Bah bonne oui. Chance dans ton chemin vers toi. Je trouvais ça assez joli. Bah oui, oui, oui. Parce c'est que simple, que ça marche bien pour moi. Toutes ces histoires nous éloignent de nous et là, on se retrouve. On se retrouvera. Bah, à très vite, Shirley. Merci d'être venu sur vous, Tout peut arriver sur Voltage. Si vous aussi vous voulez passer un moment avec nous, c'est pas compliqué, c'est très simple. Je vais vous donner un numéro de téléphone, alors je vous laisse le temps de prendre.
Eh bien, soit votre numéro, soit votre portable pour noter, ou alors un petit calepin, un petit crayon, le 06 44 66 62 66. C'est très facile à retenir, 06 44 66 62 62 66. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est le numéro de Laura qui vous accueillera, qui vous permettra de vous diligenter vers nous. Voilà, ça, j'ai appris ce mot-là aussi hier, diligenter. Des fois, j'apprends des mots, donc j'essaye de les sortir pendant l'émission. Allez, on va se retrouver dans un instant sur Voltage avec une nouvelle histoire. Ce sera celle de Stéphanie. Vous en saurez plus dans un instant, juste après avoir écouté Luis Fonsi et Demi Lovato. A tout de suite après Échamé la Culpa. C'est parti. Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu error solo fue conocerme. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. Tout peut arriver avec Dr Jean-Paul et Jordan Deluxe. Voltage. Voltage, la radio qui tente de vous aider le soir. Pas qui vous aide, hein, qui tente de vous aider, parce que des fois, c'est pas possible, tout simplement. Des fois, il y a plein de choses à faire. Mais en tout cas, on essaye. Voilà, on a le mérite de tenter d'essayer. Vous êtes sur Voltage et on passe la soirée ensemble jusqu'à 23h. Dans la première partie, le docteur Jean-Paul s'occupe de vous, comme il vient de le faire avec Shirley, 23 ans, célibataire, qui vit dans la précarité et qui avait honte d'en parler à ses parents depuis l'émission. Puisqu'elle est passée une première fois, eh bien, ça va mieux. Elle a fait le pas, elle en a parlé. Et puis ce soir, elle voulait nous parler d'un autre problème, son manque de confiance en elle. Alors, mais pourquoi ? Eh bien, parce qu'elle a pris du poids. Combien de kilos, docteur Beaucoup de Jean-Paul poids, 40 kilos. 40 kilos. C'est énorme. Alors, c'était dû à quoi ? C'est un problème avec la maman, il me semble ? Elle nous a dit qu'elle a eu peur après la séparation. Elle a aidé sa maman de se séparer de son mari qui était violent. Et donc, elle a craint les représailles, elle a eu peur et elle s'est rassurée en mangeant. Ça a fait une espèce de cycle infernal. Après, elle s'en est voulu d'avoir grossi et elle se punit elle-même. Donc, comme beaucoup de choses, nous faisons beaucoup de choses qui ne nous plaisent pas, qu'on aimerait ne pas avoir faites, et il faut pouvoir se pardonner. Et donc, c'est important qu'on le lui dise, qu'on l'envoie dans cette direction. Ça nous arrive à tous. Si l'on s'aimait,
C'est une phrase que je disais quand j'étais jeune thérapeute. Que le jour où, comme De Gaulle à la libération de la France, on descend les Champs-Élysées victorieux avec la foule en délire qui dit « Vive De Gaulle », on s'aimerait pas souvent. Stéphanie, bonsoir. Allô ? Oui, vous m'entendez ? Oui, on t'entend. Stéphanie, tu as 32 ans, t'es paxée, t'as deux enfants, 6 ans et demi et 4 ans. T'étais passée il y a combien de temps dans Tout peut arriver ? C'était début janvier, il me semble. Alors, qu'est-ce qui se passait ? J'avais une amie toxique. J'ai dû couper les ponts. Ça a été très, très dur pour moi de faire le deuil. Très, très difficile. Maintenant, ça va mieux parce que j'ai plus aucun contact. Je la vois plus. Enfin, ça m'aide à aller mieux. Sauf que maintenant, j'ai peur d'aller voir, d'avoir d'autres amitiés. Ah, alors je me rappelle, c'était « Je suis très déçu » que tu avais répété. Oui. Ouais. Oui. Ah, il y avait une seule phrase, mais alors celle-ci, ah oui, tu l'avais répétée plein de fois, mais de plein de manières différentes, avec plus d'émotion vers la fin. Je me rappelle bien de toi, Stéphanie. Alors, maintenant, tu as peur de refaire confiance dans l'amitié. Voilà, et j'ai peur aussi de retomber dans le même schéma. Voilà. Voici qui va faire l'affaire du docteur Jean-Paul. Alors c'est parti, bienvenue une deuxième fois, une seconde fois dans Tout peut arriver. Et je vous rappelle que si vous voulez passer un moment avec nous, c'est au 06 44 66 62 66. On se retrouve dans un instant, tu restes bien avec nous Stéphanie. Oui, oui. Allez, on s'écoute Big Boy All Night et après on revient avec Stéphanie et on s'occupe de ça. A tout de suite sur Voltage. If it's all right, oh, yeah. I wanna kick it with you all night, all night. Woo. Have a good time. We ain't gotta worry, cause it's all right, it's all right. Anything won't do. All night, all night, all night, baby. Don't be shy, don't be shy, don't be shy, baby. All night and all night, ain't gotta worry, cause it's all right, it's all right. It's all right. Okay, everybody gon' say what they wanna say. Yep. Players gon' play when they wanna play. Long lay, on lay for a night like Luther Vandross ride. No way, daddy bad sad, don't skip no days. Either meet her, greet her, treat her like a queen, then I give her that Peter Jack. That's how we procreate. Take care of my babies, I'ma tote the weight. I'ma carry the load and I'ma win the bread as well. No tricking off of my girl. Yo, chicken off of my girl. She thick with all of her curves. Plus, she got a mind on her. Street smart, book smart, built by design for me. Gotta hold her up, cause she always holding me down. Like a bank robber with a note, give it to the teller so she know we ain't fucking around. It's something about that company I sent for you if you come for me. Come for me. Yeah. If it's all right. It's okay. I've been feeling good, now nigga feeling great. Started out as a little hood nigga from Savannah, then I moved to the A. Hey, dirty, dirty. See, we grew up on bucks and thirties. Sucking up game like a wet bat. Put it out, eat it up, get it right back. Yeah. They ain't worthy. Sometimes I think they don't deserve me. Big cold as the ice in your nightcap. Get you what you're pining on by the night lamp. We don't discriminate. We just want you to participate. It takes two to tango. Now what the day go. This ain't that same old, same old, old, same shit. We done switched it up like a plain clothes. 5-0-12, same cold. My flow, hell, stay froze. It's something by that company I sent for you if you come for me. Come for me. If it's all right. With you, with you, with you. Oh, yeah. I just wanna boogie with you,
Voltage. Tout peut arriver avec Dr Jean-Paul et Jordan Deluxe. Voltage. Et Stéphanie, maintenant sur Voltage, vous venez d'arriver où que vous soyez, en Ile-de-France, à Paris avec nous. Eh bien, nous allons passer un moment ensemble. Allez, c'est parti avec Stéphanie. Ça va Stéphanie ? Alors c'est parti, Stéphanie, on rappelle pour les gens qui viennent d'arriver sur l'antenne que toi tu as 32 ans, tu es paxée, tu as deux enfants, tu avais appelé Voltage parce que eh bien, tu avais coupé les ponts avec une amie très proche et cette amie était toxique, tu t'en voulais et depuis l'émission eh bien, tu te sens beaucoup mieux par rapport à cette amitié, tu as réussi à recréer quelque chose en toi, cependant il te reste à travailler une chose, c'est la peur de refaire confiance en amitié. Alors je te propose tout de suite de repasser un moment avec le docteur Jean-Paul, un moment précieux qu'on va tous vivre ensemble puisqu'on va vous écouter. C'est parti, bienvenue dans Tout peut arriver, Stéphanie. Ça marche. Ok, Stéphanie. Alors, c'est bien. Donc, on se retrouve et c'est à stade 2, quoi, ou le numéro 2 de l'émission. Voilà. La suite. Et je crois comprendre que quand j'écoute ce que vous avez dit, que vous avez deux. Que vous... Du tout, confirmant. Et aussi, problème, qu'il y avait un risque. Comment ça en fait, comme très fusionnel, truc, mais que, voilà, il y a notamment trois événements qui ne vous déplu. Oui. Et là, j'ai dit, je ne sais plus pourquoi, que je n'aime plus à le pense. Comment dire qu'à un moment donné, ensemble, là, on fait que tout ne